pris le théâtre avec Jean-Philippe Vieux qui ce matin nous propose deux pièces qui ont déjà fait leur preuve auprès du public parisien. Regardez. En effet, les deux spectacles qui suivent font partie des grands succès de cette nouvelle saison 2015-2016. Le premier d'entre eux s'intitule « Aimons-nous les uns les autres ?» Un message plein d'humour, garanti à 100% par l'espiègle et impertinente auteure-comédienne Anne Roumanoff. Depuis ses débuts sur scène en 87, la toujours joyeuse Dame en rouge, rodée à l'exercice, en a vu de toutes les couleurs. Elle triomphe ici sur les planches du théâtre de l'Alhambra pour le plus grand bonheur de ses fans. Image. François Hollande dit « La situation économique va s'améliorer à l'horizon 2017 », ça veut dire « On est dans la merde pour encore un petit moment ». Surtout quand on regarde la définition du mot « horizon » dans le dictionnaire. Ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure qu'on avance. Je me suis aperçue en fait que tous les sketchs du spectacle parlaient beaucoup de la difficulté à aimer, alors que ce soit dans le couple, en travail, dans la société. Il y a quand même beaucoup de sketchs sur les difficultés relationnelles. Après, il m'a dit « On va regarder un film porno, ça va booster la libido ». Ça m'a déprimée. Quand on voit ce qui existe, puisqu'on a... J'aime bien, on rit, mais... À un moment, on élève un peu le débat, il y a une petite phrase, un petit truc philosophique, à un moment, il y a un moment d'émotion, voilà, j'aime bien qu'il y ait un peu de relief. Sarkozy, c'est le mec, tu peux le choper la main dans le pot de confiture, il va t'expliquer que le pot de confiture est descendu de l'étagère pour venir s'encastrer dans sa main. Et tu vas le croire. C'est un spectacle qui est mûr, lucide, drôle, intelligent, fin. Et sexy. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que la vie n'est pas drôle. Sinon, pourquoi les gens paieraient pour aller voir des comiques? L'autre dessert théâtral de cette rentrée se savoure quant à lui au théâtre Édouard VII, c'est le mensonge de l'excellent Florian Zeller. Bernard Murat met en scène le duo Pierre Arditi, Evelyne Bouix, aux côtés de Josiane Stoléru et Jean-Michel Dupuis. Cette pétillante comédie tout à fait actuelle sur la vérité est un truculent rendez-vous à surtout ne pas manquer. Alors explique-moi, il s'est passé quelque chose, Alice? Il s'est passé quelque chose? Oui. Bah quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien. Un couple attend un couple de leurs amis à dîner ce soir, la dame du couple, c'est-à-dire Evelyne Bouix, fait remarquer à son mari, c'est-à-dire Pierre Arpini, qu'elle a surpris l'ami en train d'embrasser une autre femme que la sienne. Et elle ne l'avale pas du tout. Peut-être, mais j'ai pas envie de mentir à Laurence. Eh ben, il suffit de pas lui en parler, voilà, de ne rien lui dire. Ne lui dis rien, crois-moi. Et puis alors, franchement, je vois pas en quoi ça la concerne, hein, franchement. Il a plusieurs facettes, ce mensonge et cette vérité, en même temps, parce qu'à un moment donné, il y a des labyrinthes terribles, on sait plus où on en est, quoi. Donc c'est un jeu de piste, même par moment, si je puis me permettre. Quand on pense qu'on est sorti d'affaires, c'est à ce moment-là qu'on s'enfonce dans la vase, voilà. À propos de ta robe. Ah bon? Oui. Elle est magnifique. C'est gentil. C'est Michel qui l'a offert. Ah, tu fais du shopping, toi, maintenant? Tu prends le risque de précipiter une crise dans leur couple, hein? Hein, si ça se trouve, ils se sépareront par ta faute, Alice, par ta faute. Pense à ça, par ta faute. C'est de la pure comédie. Ah oui, c'est de la pure comédie, mais avec un soutien très très fort psychologique par rapport... Pas un soutien psychologique. Bah si. On a l'impression que tu es une cellule d'aide psychologique pour aller voir le spectacle. On va pas faire comme si on découvrait ce matin que la vie sentimentale est parfois chaotique. Aimer quelqu'un, c'est... C'est être vrai, c'est n'avoir rien à cacher. Exactement, c'est pouvoir se dire la vérité. Toute la vérité. Rien que la vérité. Ah, c'est un réel plaisir non dissimulé que de faire partager la découverte de ces deux gourmandises aux saveurs à la fois sucrées, salées, zestées d'arômes quelque peu épicés. Aimons-nous les uns les autres de Roumanoff est un spectacle en solo des plus aboutis. Quant à Zeller et sa superbe éloge du mensonge, ces quatre truculents comédiens savent comme personne susciter envie et curiosité pour le bonheur de tous ceux qui aiment passer de bons moments au théâtre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon spectacle, très bonne semaine et à très bientôt.